Triste nouvelle à Hollywood. L'acteur américain Michael K. Williams, célèbre pour son interprétation du personnage d'Omar dans la série télévisée The Wire, a été retrouvé mort lundi 6 septembre dans un appartement de Brooklyn, à New York. C'est avec une profonde tristesse que la famille de Michael Kenneth Williams annonce son décès. Elle demande le respect de sa vie privée alors qu'elle fait le deuil de cette perte insurmontable, écrit celle qui le représentait, Mariana Chaffran, dans les colonnes de Hollywood Reporter. Selon le New York Post, de la drogue aurait été trouvée en grande quantité sur place. Une décès qui, d'après le média, laisse à penser que le comédien aurait été victime d'une overdose. Rien n'indique un acte criminel, il n'y a pas d'effraction, l'appartement était en ordre, a expliqué une source policière au journal. Une enquête a été ouverte sur les circonstances du décès, ont précisé les autorités selon le site de la chaîne NBC. De son côté, le site TMZ précise que la famille de Michael K. Williams était sans nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Simple guillemets ouvrant. Fort d'une brillante carrière, on avait notamment vu Michael Kenneth Williams au cinéma dans l'incroyable Hulk, Roboco, American Nightmare 2 et plus récemment dans Operation Brothers. Mais le New York Post rappelle que Michael Kenneth Williams connaissait également des déboires avec la drogue depuis de nombreuses années. Il avait notamment avoué être addict au cannabis et à l'héroïne alors même qu'il jouait dans la fiction de Weir. « Je jouais avec le feu », avait révélé l'acteur lors d'une interview. Pour autant, Michael K. Williams était récemment revenu devant les caméras de HBO dans la série surnaturelle Lovecraft Country, un rôle qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards 2021 dans la catégorie meilleur second rôle dans une série dramatique. Une cérémonie qui se déroulera le 19 septembre prochain, malheureusement sans le comédien de 54 ans.